Je veux débusquer la hyène. Je dois aller parler à Mered, l'homme d'Apollodorus. C'est un négociant qui se trouve quelque part sur ce marché. Bienvenue chez Mered, voyageur. Alors, qu'en penses-tu? Rien. Alors va-t'en. Ah, mais je n'ai pas fini. Que veux-tu dire? Je n'ai rien d'autre à te montrer. Mais tu as des choses à me dire, au sujet de la hyène. Ah, c'est drôle. Il se trouve que c'est l'article le plus cher de tout mon stock. Oui, très drôle. Et tu devras payer comptant. Tu as assez d'argent pour qu'on fasse affaire? Tiens, espèce de rapace. Maintenant, qu'as-tu à me dire? La hyène, ce n'est pas son vrai nom. Bon, d'accord. Ce n'était pas très drôle, je le reconnais. Où est-ce que je peux la trouver? Son nom, c'est Calicette. Tu vas m'aider. Des clients m'ont pris mon cheval à la suite d'un différend. Ils campent dans une carrière au sud d'ici. Prends mes hommes, récupère mon cheval, et je te donnerai ce que tu cherches. Je me demande bien pourquoi Apollodorus t'apprécie. Tu feras ce que je te dis. Si Apollodorus veut que je continue à le servir. Ah, c'est mauvais ça. Fais-toi t'enfuir. Pas vraiment. C'est un allié nécessaire. Les alliés de Mered sont rarement des protecteurs. Ils se méfient des autorités. Mais ils payent bien.
Et à Gizeh, rares sont ceux qui payent. On ne peut faire confiance à personne. Que savez-vous sur la hyène? Celle qu'on nomme Calicette. Nous irons les nourrir. Qui a envoyé ça? Ça, c'est pas beau à voir. Sans parler de lui. Alerte! Alerte! Ça, ce sont des ennuis. Eh ben, c'est pas beau à voir. Quoi? Les gardes sont très vigilants. Je crois qu'il y a quelque chose ici.
quoi ? Je vais te tuer ! Ça demande beaucoup de travail de devenir aussi bête. Je vais te transpercer. Tu aurais pu profiter de tes talons. Mieux vaut ne pas attirer l'attention ici. Toi sera ma première bonne. Thank you.
être le cheval de Mered. Il a omis de me dire que ses clients étaient des brigands. Regardez-moi ça. Tu avais oublié de dire que c'était des brigands qui l'avaient. Une simple omission. Bien. Plus fort que le mien. Je croyais qu'il t'appartenait. Oui, 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 bien entendu. Tu m'as rendu un fier service, mon ami. À toi de remplir ta part du marché. Je n'ai qu'une parole. Mais j'ai encore une chose à te demander. Ah, j'en ai assez de tes jeux. D'accord. La hyène vit dans une caverne, derrière ses hauteurs. Nuit et jour, elle arpente le désert en quête de silice, les précieuses larmes des dieux. Mieux vaut ne pas raconter ce qui est arrivé à ceux qui ont tenté de s'interposer. Si je découvre que tu te moques de moi, ce ne sont pas mes paroles qui vont te blesser. Je ne dis que la vérité. Je n'ai aucune raison de te défier. Et tâche de rester en vie. De la hyène. Il n'y a aucune trace de Calicette.
Pour une fois, Mered ne m'a pas menti. Il faut que je découvre où elle est partie. Quelqu'un, c'est une lettre. Elle porte le symbole du serpent. Calicette est clairement liée à l'ordre. Et l'ordre ignore qu'elle s'est gardée un peu de silice. C'est ici que dormait Calicette, à l'abri des tempêtes de sable. Des lotus de la Renaissance. Elle ne les a pas cueillis pour rien. Enfermer un de ses loyaux serviteurs. À l'aide ! À moi ! Au secours ! Le tombeau de Khéops. Elle a indiqué chaque fissure. Elle n'a pas terminé. C'est là que je la trouverai. Je vais aller vers les pyramides. Des hyènes. Calicette doit être à l'intérieur.
ose entrer ici, où le silence est de rigueur pour elle. Un Medjay qui a gravi bien des dunes pour te trouver. Tu peux te cacher, Yen, mais ce tombeau ne te protégera pas. Je t'ordonne de t'arrêter. Si tu fais demi-tour, ton intrusion te sera pardonnée. Il n'y aura pas de pardon pour Siwa. Pauvre idiot, je suis Izekt, maîtresse de la magie. Ce lieu est la demeure des dieux. Quel mauvais tour est-elle en train de préparer? Va-t'en! Nul ne doit déranger Osiris! Cette porte piégée, qu'est-ce qu'elle protège? Mécréant! Celui qui est éveillé dort! Si tu fais encore un pas, ton sang irriguera ces plaines arides!
Quel est cet endroit? Un tombeau en dessous d'un autre. C'est ici que tu te caches, Lien? Quelle horrible folie s'est-on livré ici? Dans ce lieu obscur ouvert au regard des dieux, quel genre de rite peut-elle exécuter? C'est Calicette qui a tracé ces symboles. Essayait-elle d'en découvrir le sens? Retransmission, segment 3. Acquisition de contemporanéité. 95 jours écoulés depuis la grande catastrophe. Le messager parle. Vous devez vous demander pourquoi j'ai voulu vous parler. C'était écrit. Les offrandes à Osiris, le protecteur des morts. Ce sarcophage est décoré de déesses de la mer. Il est couvert de symboles étranges. Encore chaud. Et ce couteau cérémoniel. Un sacrifice. Ces murs. Pour avoir compris ce que Calicette cherche à faire ici. Calicette exécutait un rite. Ses premières offrandes étaient adressées à Osiris. Elle a sacrifié ses prisonniers à l'aide d'un couteau. Elle a récupéré leur sang pour ses sombres desseins. Elle a essayé d'apprendre ces étranges symboles. Elle a dû les trouver dans cette salle. Dès qu'elle a appris les symboles, elle les a gravés ici. Et elle a fait une dernière prière au-dessus du sarcophage. Calicette devait sûrement tenter de ramener quelqu'un à la vie. Mais qui est enterré ici? Un enfant. Mon enfant! Tu as perdu ton enfant? Non! Son repos n'est que temporaire. Tu es intervenu dans sa renaissance. Et pourtant, tu as rejoint l'Ordre! Ravagez ce tombeau! Calicette! Ne prononce pas mon nom! Mon nom ne peut franchir les lèvres de celui qui l'a déshonoré! Je suis une bonne mère. Aya! Non! Tu ne peux rien contre moi, chien! Tu n'es pas différent de ceux qui t'ont précédé ici. Viens, affronte-moi si tu y tiens tant. Ton sang servira à la résurrection de ma fille. Je t'enterrerai dans le sable pour vous. Thank you.
incroyable. Maintenant, je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui profanent le tombeau de ma fille. Tu cherches à accomplir l'impossible, Calicette. Aucune magie n'est capable de nous rendre nos enfants. J'espère que c'est nous va bien. Je suis venu pour toi, Yen. Inutile de mêler les dieux à ça. Les dieux ont été bafoués. Tu as souillé le lieu où repose Eshe. Cherche à accomplir l'impossible, Calicette. Aucune magie n'est capable de nous rendre nos enfants. Attends ! Protège-moi de ce profanateur ! Je suis
suis venu pour toi, Yen. Inutile de mêler les dieux à ça. Les dieux ont été bafoués. Tu as souillé. Tu ne peux pas me battre, Medjay. Viens m'affronter. Vais-je marcher parmi les morts ? Une fin juste. Tu as profané les morts. Et aidé ceux qui ont tué mon fils. Tout ça par pur égoïsme. Non ! J'ai rassemblé de la silice pour eux. Elle a animé la pierre magique de ceux qui étaient là avant. Tu l'as vu, n'est-ce pas ? Il fallait t'en apprendre les symboles. Elle ne nous est pas destinée ! C'est sans importance maintenant. J'ai voulu protéger ma fille dans la vie et dans la mort. Chaque fois, j'ai échoué.
Osiris, accorde-moi ces retrouvailles. Je marche seul dans les champs de roseaux. Je vais gérer à jamais dans la douate. Je veux retrouver ma fille. Pitié. Puisses-tu retrouver ta fille dans l'autre monde, Calicette. Puisse le Seigneur de la Douate te guider.